Le premier cover que j'ai fait de Châtelaine, je commençais 3 fois par jour, ou en tout cas, du moins, c'était peut-être un petit peu moins clair dans ma tête où je m'en allais avec ça. Maintenant, j'ai l'impression vraiment d'être une femme plus assumée, moins une femme enfant, en fait. Je suis enceinte, j'attends un enfant, donc il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis le dernier cover, puis je pense que ça paraît dans la photo, dans mon assurance, en fait, en général, dans la vie aussi. Mon métier, en fait, c'est de faire beaucoup de la photo avec mon mari qui est photographe. Donc, je me retrouve souvent derrière et devant la caméra. Puis, je pense que c'est ce que j'aime le plus, en fait, justement, de pouvoir autant faire du stylisme que de parfois m'amuser devant la caméra. Mais c'est pas mon activité préférée de tous les temps. J'ai de la misère encore avec le rapport de me regarder, en fait, puis d'arriver à apprécier ce que je vois. Parce qu'on remarque toujours nos petits défauts, nos petites affaires. Puis, j'ai encore à travailler pas mal là-dessus. Mais j'aime bien ça, jouer à ça une fois de temps en temps. Surtout quand t'as une grande équipe comme ça, tu sais, les vêtements, les petites affaires, tout est arrangé, fait que c'est le fun. J'aime le blanc, je pense que les gens le savent, j'aime la brique. Les choses un peu naturelles, puis on est allé vraiment là-dedans, puis ça, je trouve ça le fun. Au niveau des vêtements, vraiment des choses unies, super simples. Je pense que ma bedaine prend beaucoup de place, puis c'est important qu'on lui laisse sa place aussi. Donc, dans la simplicité, mais moi, c'est ce que je trouve le plus beau. Je pense qu'on le voit aussi avec 3 fois par jour. Fait que j'étais comblée aujourd'hui.